Bonjour, aujourd'hui on commence avec le thème de ce cycle. On se lance dans ce long chemin pour le passer ensemble, j'espère. Et le thème, c'est justement le sujet de ce cycle, le cycle de 22 variations de Rachmaninov sur un thème de Chopin. Ce thème vient du cycle de Chopin, 24 préludes. Chopin était environ 26 ans, entre 26 et 29 ans, quand il avait écrit ce cycle, et Rachmaninov était environ 30 ans, quand il a commencé d'écrire ce cycle de 22 variations. Et maintenant, on va regarder de près pourquoi. Pourquoi il a pris ce thème pour ce cycle énorme, ce cycle très complexe qui aborde tous les principes du compositeur de Rachmaninov, qui lie ensemble, qui accumule ensemble tous les moyens d'expression pianistique de Rachmaninov. Je prends mes notes que je fais pour chaque variation de ce cycle et on va regarder ensemble l'essentiel de notre sujet, du thème. Dans l'ordre comme c'est écrit, on voit très bien fortissimo au départ et le piano. On voit des liaisons qui sont courtes au départ. S'agrandit après et qui devient très long à la fin. On voit les accords qui s'imposent chaque fois et on voit les accords qui avec moins de notes ensemble, qui sont plus transparents et qui se bougent de gauche à droite, qui se bougent dans le temps. On voit très nettement, la basse qui fait une séquence harmonique et la basse qui se bouge en chromatique qui descend. Et maintenant, je viens au résumé de tout ça. L'essence de ce thème, c'est la polarité, c'est deux mondes. Il y a le monde du fortissimo, le monde de puissance, et le monde du piano, le monde de fragilité. Il y a petites phrases, les petites expressions où chaque mesure, c'est déjà le monde dans soi. Et il y a une phrase, l'expression qui est grande, qui s'élargit.
les bases chromatiques qui s'opposent à ces bases harmoniques. Les bases chromatiques, c'est ces fameux symboles de souffrance, de déploration, de la mort. Donc ces deux mondes, l'un et l'autre, c'est ça que Rachmaninoff va explorer dans ce cycle. Et il va étendre, il va aller le plus loin possible, il va agrandir jusqu'à impossible et jusqu'à infini cette distance entre ces deux mondes, entre le monde fragile, irréel, mortel, monde du souvenir et le monde violent, puissant, le monde réel. Et la dernière chose, la plus importante dans le thème, c'est un accord. C'est l'accord que Rachmaninoff a changé volontairement dans le prélude de Chopin. Dans le prélude de Chopin, on avait cette variante-là. C'est la fin de troisième mesure. On a un accord de Do mineur avec Mi bémol. Qu'est-ce que fait Rachmaninoff? Il met Mi bécart. Et ça donne en continuité que ça, on a un accord de majeur, de triomphe, de puissance de la vie, de joie. C'est ça le majeur. On a encore un accord de majeur. Et encore un. On a trois accords de majeur dans ces deux mesures. Ça qui n'existait pas chez Chopin. Et cet accord de Do majeur qui est le principal ici, c'est ça à quoi Rachmaninoff va s'accrocher et aller jusqu'au bout de ce cycle. Car la variation dernière, c'est le Do majeur, c'est cet accord-là, c'est Do majeur ultime. C'est la victoire de joie et de la vie.